Hey, salut gamer et gameuse, c'est Landoff. Bienvenue pour cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de AMD. AMD suite à beaucoup, comment on va appeler ça, beaucoup de trailers, beaucoup de teasers, nous annonce des nouveaux APU. Qu'est-ce que des APU? En fait, c'est le terme qu'on utilise pour désigner les CPU provenant de AMD. Et AMD, avec ses APU, déclare que leur nouveau, on va dire CPU, parce que c'est chiant de dire APU, et personne ne s'y retrouve à ce moment-là. Donc, AMD nous donne une grande remontée au niveau des CPU. Ils disent que leurs CPU sont plus performants qu'un i7, que l'i7 6500U, si je ne m'abuse. Et je vais vous laisser avec un petit bench vite fait. C'est pas vraiment un bench, c'est plutôt un comparatif de performance, on va dire. Donc on peut considérer ça comme un bench. Je vais vous laisser tout de suite avec ce bench. Et donc voilà, donc si après ce petit bench, enfin on dit bench plutôt, test comparatif des processeurs, ben, de la 7ème génération de processeurs d'AMD et de ben, les 6500U, eh bien nous pouvons observer, nous pouvons déclarer que ces processeurs vont être légèrement plus rapide, mais niveau du ski montage photo et ainsi de suite, nous avons pu voir que ces utilisations là, la 7ème génération des CPU d'AMD battra un petit peu les i7. N'oubliez pas qu'il y a différentes gammes d'i7 et n'oubliez pas que Intel va sortir ses i7 Broadwell d'ici peu de temps normalement, donc sur les plateformes x99, donc support de mémoire DDR4 qui pourront accepter du SSD, du Crossfire, enfin comme d'hab. Et donc voilà, bon, peut-être petite parenthèse, petite spéculation sur ces i7, si je ne m'abuse, si mes souvenirs sont bons, je pense que AMD va rester sur les vieux chipsets, donc pour la mémoire vive, ce sera toujours la DDR3, je crois. Hormis si ça, les informations là sont faussées et que ce soit de la DDR4, de toute manière, on le saura quand les processeurs sortiront et qui sortiront vraiment. Donc, après cette vidéo, peut-être que courant le week-end, il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir sur AMD et sur leur processeur. Maintenant, je vais vous laisser avec un troisième bench, enfin bench comparatif plutôt, sur AMD niveau des jeux vidéo. Donc, je vous mets tout de suite le bench.
Donc voilà, déjà en rectification, bien sûr les i7, les i7, la 7e génération de processeur d'AMD aura bien évidemment la DDR4 parce que sinon ce serait con. Merci mes sources, je me suis fail avant ce petit bench. Donc qu'est-ce que montrait ce bench? C'est toutes les possibilités qu'un seul CPU d'AMD de 7e génération pourra faire. Donc on a pu apercevoir des, je pense pour ma part, des sables dual core. Donc si un dual core de 7e génération peut concurrencer un i7 de chez Intel, ça pourrait révolutionner encore le monde du hardware, mais je pense pas que ce soit ça. Mais nous avons pu voir que le simple processeur en lui-même d'AMD peut supporter la 4K, peut supporter le VICE, donc pour vidéo chat et conférence et tout ça. Donc la Ultra HD 4K, les processeurs Intel, si je ne m'abuse, ne supportent pas la Ultra HD 4K. Et donc ce processeur-là, AMD, pourrait en l'occurrence supporter un film, une vidéo en Ultra HD 4K. Ce qui fait une grande avance, on va dire, au niveau du CPU. Donc oui, donc nous avons, je pense franchement, sincèrement, que c'est des CPU dual core. Donc dual core qui supporte la Ultra HD 4K, c'est quand même pas rien. Donc voilà, donc je vais vous laisser là, parce que je n'ai pas d'autres renseignements de plus que ça sur AMD. Donc AMD, bah, on le savait déjà, bah, avait tendance en ce moment à couler face au processeur Intel. Et là, peut-être que AMD va remonter la pente, va revenir parmi nous et va dégommer Intel sur son passage et faire en sorte que bah, leur processeur soit mieux que des i7, comme on a pu le voir, hein. Leur 7e génération de processeur peut battre i7. C'est pas ce qui est nouveau, mais bon, ce qui est aussi nouveau, c'est que, enfin, après, voilà, j'ai pas montré, désolé, j'en suis désolé, mais la chauffe des processeurs d'AMD sera réduite de 20 fois 25. Donc, vous faites durant. Sans doute divisé par 25 ou quoi, je ne sais pas comment on fait le calcul, mais genre voilà, ce sera et je vais tuer ce chat, désolé. Non, désolé. Et donc voilà, donc les APU AMD seront pétés, donc la 7e génération, je me réjouis, d'après le Computex et ainsi de suite. Pour en savoir plus, et dès que j'en sais plus, je vous en ferai une vidéo. Allez, peace tout le monde, c'était Landoff. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Peace!